on était sûr à 100% qu'on allait gagner les élections, voire même à 78%. On connaît les Sénégalais. Bien vrai qu'on est ici à Conakry, mais aussi on fait partie de cette communauté-là. Et qu'on a beaucoup souffert. Il a fait 12 ans avec nous. Il n'a pas respecté ses engagements. Il parlait de deux mandats. Le premier mandat, c'était 7 ans. L'IGV de lui, ça a 5 ans. Il ne l'a pas fait. On attend à ce qu'il termine le deuxième mandat. Il n'a pas respecté ce principe. Il cherchait à briguer un troisième mandat. Ça, c'est sûr. Si Macky Sall n'est pas, il n'a pas eu la chance de devenir candidat, c'est par le biais du président Ousmane Sonko qui l'a empêché de devenir candidat. Ça, c'est sûr. Il n'avait pas de choix. Ce qui restait maintenant, c'est quoi? De chercher un dauphin. Malheureusement, il a fait un mauvais choix. C'est ce qu'on appelle un candidat par défaut. Vous comprenez? Donc, nous, ça, c'était une satisfaction totale et on était sûr à 100% qu'on allait gagner les élections. Sans doute, hein, sans doute quand même. Et ça aussi, c'est une procédure. C'est un processus, le projet-là. C'est une procédure et un processus. On a mis en place le pacte de passif en 2014. En 2014. Il a été radié en 2016. 2017, regardez l'évolution. Le président Ousmane Sonko, il est devenu député. Après 2022, maire. Même année 2022, il a porté la liste pour les nouveaux députés. Ils ont éliminé la liste officielle nationale pour empêcher le président Ousmane Sonko de devenir député, voire même président de l'Assemblée. Mais c'est un homme généreux, un homme courageux. Mais je peux dire que c'est un vrai patriote. Le don de soi pour la patrie commence à partir d'aujourd'hui même. Non, non. Ça commence depuis des années même. Et il a prôné, il a montré que lui, c'est un patriote. Vous m'avez écarté, mais je vais diriger la liste. Il l'a fait, il l'a gagné. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, vous voyez même presque une égalité. L'opposition à 80, le pouvoir à 82 députés. Ça, c'est la première fois même. Donc, il a battu un record quand même, pour dire la vérité. À part ça, maintenant, il cherche, il dit que le gars là, si on continue, il sera un président de la République. Heureusement, nous avons compris que le président Ousmane Sonko, il ne prône pas pour sa propre personne, mais il prône pour l'Afrique. Regardez le parti PASTEF. C'est pas PASTEF Sénégal, les patriotes africains. Donc lui, c'est pas le Sénégal qui l'intéresse, mais c'est l'Afrique. Et heureusement, nous, les militants, les sympathisants, nous avons compris le message. Raison pour laquelle vous entendez à chaque fois dire Diomaye Moy Sonko, Sonko Moy Diomaye. Et je vous demande de répéter ça encore. Diomaye Moy Sonko, Sonko, Sonko Moy Diomaye. S'il vous plaît, surtout nos frères africains, nos compères africains qui sont là présents, sachez que nous avons eu la chance, nous les Africains. Ce n'est pas le Sénégal qui a eu la chance. Non, c'est notez la date d'aujourd'hui, vous allez voir d'ici 5 ans. Il n'y aura pas de problème entre les deux, ils seront en phase. Mais ils vont vous montrer un vrai projet de société. Vous allez voir, vous allez revoir même un Nelson Mandela, vous allez revoir même un Thomas Sankara, vous allez revoir même ce qu'on appelle les anciens panafricanistes. Donc lui, il prône pour l'Afrique. Maintenant, il n'a pas de problème avec les autres pays, mais il dit en Afrique ici, moi ce que je prône c'est gagnant-gagnant. Il ne faut pas que tel pays, je ne vais pas citer des noms, doit avoir 60 ou 70%, le Sénégal ou bien l'Afrique gagne 30%, non. Ousmane Sonko, il prône quoi? Gagnant-gagnant, l'égalité. Parce que ces gens-là ne sont pas plus intelligents que nous. Je vais même indexer. Les Français ne sont pas plus intelligents que nous. Nous n'avons rien aussi contre les Français. Il y a des panafricanistes. Il y a le feu Ahmed Cheikh Touré. Il a beaucoup fait pour l'Afrique. J'en passe, ils sont nombreux. Il y a Thomas Sankara, ainsi de suite. Donc lui, vraiment, il a fait un travail remarquable. Et il a montré que le projet-là, ce n'est pas une personne. Mais quand même, c'est un projet de société qu'il faut présenter à la population et essayer de généraliser en Afrique. Voilà, donc là, il n'y aura pas de problème pour ça. Moi, je suis sur les membres qui sont chargés pour la collecte des données du scrutin. Sans plus tarder, gagner du temps, je vais directement aller aux différents points. Pour la République de Guinée, il faut savoir que le nombre d'inscrits, c'était sur 2990. Et le nombre de les centres de vote, il y avait 12 centres de vote. Et parmi ces centres de vote, il y avait Banakoro, où on a un seul bureau de vote. Et le nombre d'inscrits, c'était à 31 inscrits. Mais on a le nombre de votants de suffrage vraiment exprimé, 8. Et pour à Conakry, on a 5 bureaux de vote.
5 bureaux de vote et dans le premier bureau de vote numéro 1, on a 530 nombres d'inscrits. Et le bureau de vote aussi numéro 2, on a 545 nombres d'inscrits. Le bureau de vote numéro 3, on a 540 nombres d'inscrits. Pour le bureau de vote numéro 1, où on a 530 nombres d'inscrits, on a 181 votants. Et pour le bureau de vote numéro 2, dont on a 545 nombres d'inscrits, on a 166 votants. Et pour le bureau de vote numéro 3, dont on a le nombre d'inscrits c'est à 540, on a 161 votants. Pour le bureau de vote numéro 4, dont on a 546 nombres d'inscrits, on a 173 votants. Pour le bureau de vote numéro 5, on a 377 nombres d'inscrits et on a 166 votants là-bas. Et on a aussi un centre de vote à Firia, on a une seule vote, 37 nombres d'inscrits et 26 votants. À Kamsar aussi, on a un seul bureau de vote. Un seul bureau de vote, on a 37 nombres d'inscrits et 26 votants. 112 nombres d'inscrits et 34 votants. À Cancan, un seul bureau de vote, on a 29 inscrits et 11 votants. À Kindia, un seul bureau de vote, 19 inscrits, 11 votants. À Labé, un seul bureau de vote, 150 inscrits, 47 votants. Timbi Madina, on a un seul bureau de vote, 74 inscrits, 55 votants. C'est ça les 12 bureaux de vote construits sur le nombre d'inscrits et le nombre de votants. Et pour ne pas pour gagner du temps, je vais aller directement sur le résultat que je vois. Et ce qui concerne pour les deux candidats. Pour le candidat, l'ex-premier ministre Amadou Ba, sur les candidat Benno Bokk Yakar, pour les 12 bureaux de vote, il a 419 voix. Pour les 12 bureaux de vote, compris. 419 voix. Pour le candidat Bassirou, le président, son excellence, Bassirou Diomaye Faye, Diakhar Faye, sur les 12 bureaux de vote, il a eu 496 voix. Et ce qui est important à souligner, que ici, à Conakry, à la République de Guinée, depuis sur l'ère de Macky Sall, on n'a jamais gagné une élection ici. Une opposition gagne une élection ici. Donc c'est une première que l'opposition gagne des élections ici avec toute la majorité. Applaudissez les gens. Dans tous les bureaux de vote. Dans tous les bureaux de vote aussi. C'est important à souligner. Et aussi, en ce qui concerne, pour la Sierra Leone aussi, parce que nous aussi, on était sur les données à Sierra Leone, et on avait des représentants là-bas aussi. Là-bas, c'est illégal. Le candidat Amadou Ba, Benno Bokk Yakar, a eu 32 voix là-bas. Et le candidat, son excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a eu 32 voix aussi. À égalité aussi. Bon. En global, c'est ça le résultat. Si on global tout, donc la coalition Diomaye Diakhar Faye, président 2024, a remporté les élections ici en République de Guinée. Depuis la règne de Macky Sall, c'est la première fois que l'opposition a gagné. Nous avons eu le travail de l'équipe qui a été commençant par Baba et l'équipe qui a été construite ici en Guinée. Nous remercions beaucoup le parti PDG, le parti qui a été accompagné durant toute notre campagne. Il est aussi qu'on veut retourner aujourd'hui aux relations bilatérales avec la Guinée pour des relations plus amicales parce que entre la politique du système, il y a beaucoup de changements en Guinée et aujourd'hui on veut tout refaire parce que nous voulons que la jeunesse sénégalaise et la jeunesse guinéenne
puisse être unie. Parce que dans le monde, il n'y a pas un pays qui est comme le Sénégal et la Guinée. Et aujourd'hui, nous sommes les pays les plus isolés. Il faut qu'on soit unis et ça rentre dans la politique panafricaine de Sonko. C'est pourquoi le système est large. Nous ne voulons pas que le Sénégal et la Guinée aient une relation. On va régler beaucoup de choses ensemble. Parce que c'est le système que parlait maman à grand-père chez Koutouré et retourné aujourd'hui dans les mains de Seigneur. Et wax biñuy wax yépp moy nan lañuy def bay gérer suñu bop ba momal suñu bop suñu réew ba nga xamni l'impérialisme dana xaw sori touti mom moy thème bi té bu ngeen jàngé ci biir amna lo xamni tamit mi ngi ci biir à projet bi muy problème cumul bi muy problème à relation avec les autres pays africains qui sont comme nous. Et je pense que le Sénégal et la Guinée, c'est le moment aujourd'hui de les nouer parce que ce sont deux pays qui ne peuvent pas se laisser. C'est le blanc qui a enlevé le nom, mais c'est un pays uni. Et tout ça, depuis l'histoire, on voit qu'il y a une division. Et c'est ça qu'on va commencer de lutter. Sonko sera là en Guinée, Diomaye sera là en Guinée pour qu'on puisse refaire les relations et faire du Sénégal et la Guinée de parallèle. Thank you.